Salut à tous et bienvenue sur Retro Bazook. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va tester tout un tas de petits jeux Master System. Mais pas n'importe comment, on va les tester sur une console Master System 1 que j'ai modée il n'y a pas si longtemps pour lui rajouter la borne FM. C'est l'équivalent de l'extension que vous aviez sur la Sega Mark III, le Sound System Unit, qui rajoutait une puce Yamaha pour améliorer le son. En effet, cette puce rajoute deux pistes sonores permettant de composer des effets plus agréables à l'oreille. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble dans un instant. D'abord, quelques mots sur la pose de la borne. En effet, je vais pas m'attendre là-dessus, sachez juste qu'il y a quelques soudures à faire. D'abord pour assembler la carte livrée en kit, ensuite pour la relier à la console. Il y a aussi une piste à couper au cutter et un interrupteur 3 positions à accrocher à l'arrière de la console, mais globalement, rien de bien compliqué. Cela m'a pris environ 30 minutes pour me documenter et 45 minutes environ pour la réalisation. Une opération donc beaucoup plus facile que le mode VES RGB présenté précédemment sur ma chaîne. Voyons voir maintenant le résultat en image. Et donc allez, c'est parti pour les tests des jeux, voir la différence entre le mode sonore avec la chipset de base et l'activation du son FM, effectivement, parce qu'on a un petit switch à l'arrière de la console après le mode qui nous permet d'activer ou désactiver la console ainsi que de la passer en version japonaise, qui peut être pratique dans certains cas. Donc voilà, je vous ai préparé donc vous voyez une petite pile d'environ d'une petite vingtaine de jeux qui peuvent profiter de cette amélioration. En effet, tous les jeux Master System ne sont pas compatibles avec cette extension. Il y en a environ un bon gros tiers, je dirais. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne, on va voir si c'est réellement meilleur qu'avant. Puis je dirais un peu pour tous les jeux ce qu'il en est. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec Wonder Boy in Monster Land. Donc la série des Wonder Boy, iconique de la console, hein, de très très bons jeux. D'ailleurs, si vous voulez découvrir, il y a le remaster de Wonder Boy 3 sur toutes les consoles modernes. Donc c'est parti, on commence avec le son d'origine. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de la rallonge? Parce que oui, effectivement, là, il y a le fameux bug. Donc sachez qu'il vous faut un convertisseur Master System, Mega Drive to Master System pour le contrôleur pour ce jeu. Sinon, vous aurez le bug que vous venez de voir s'afficher à l'écran. Donc voilà, donc là, vous entendez la musique qui est somme toute sympathique. Et vous allez voir, avec la version améliorée, la version FM Sound, on risque d'avoir un son un peu plus cuivré, un peu plus doux, un peu plus lissé. Ah, vous voyez, ça change quand même pas mal, hein. Et je trouve ça quand même plus agréable, plus reposant. Parce que le son, la carte sonore d'origine a des sons un peu trop stridents qui a tendance à me casser la tête, faut bien l'avouer. Et là c'est agréable. Allez, on passe au suivant. Donc le suivant est un jeu très sympathique de ce cher Lord British, Ultima 4. Donc c'est la seule version d'Ultima qui existe sur cette console. Donc Ultima 4, créé par Lord British, qu'on teste tout de suite avec tout d'abord le son d'origine. Écoutez bien. Ça fait cheap, hein. Ça fait cheap comme musique, hein. Vous trouvez pas? Après, ça a son charme aussi, mais ça fait vraiment... Je sais pas comment expliquer. Allez, maintenant on teste avec le son FM. Allez, là c'est quand même bien meilleur, hein. Alors, je sais pas si on entendra très bien parce que, étrangement, la musique de jeu est assez faible comparée aux autres jeux.
Voilà, ça c'était Ultima 4. Prochain jeu qu'on va tester, c'est R-Type, le très célèbre shoot'em up, sorti sur plein de consoles différentes. La version Master System est plutôt sympa. Et on teste tout de suite le jeu avec le son d'origine. Et là, on a l'impression, ouais, d'être sur Master System, quoi. Hein. Et la Master System, l'impression que ça donne avec ce son-là, c'est pas une très très bonne impression, j'ai envie de dire. C'est une console d'un autre âge, voilà. Allez, et maintenant, est-ce que la version FM améliore? Ah ouais, carrément. Vous voyez la différence? Tout à l'heure, on avait presque l'impression d'être sur une ancienne génération de consoles encore plus vieille que la Master System. Et là, de suite, on passe à un niveau supérieur. Cet effet sonore nous donne l'impression d'être dans une salle d'arcade, carrément. Hein. On a vraiment les sons des machines d'arcade. Ou des périphériques, en tout cas haut de gamme de l'époque. La puce Yamaha fait bien le taf hein, pour ce jeu, c'est incroyable. Hein. Pour R-Type, il n'y a aucun doute. Il vous faut l'extension. Allez, jeu suivant. Alors le prochain jeu que nous allons tester, c'est Captain Silver. Un jeu de pirate assez sympathique. Ce son là un peu le son qu'on avait sur Amstrad ou les premiers jeux MS-DOS, ça a son charme mais ça pique un peu les oreilles quand même. Allez, on passe en mode FM. Yeah. Ah, excellent! Bah là, oui, là encore une fois, l'extension donne une profondeur au jeu. On ressent mieux l'ambiance piraterie, hein, je trouve, avec la board FM. Enfin, pour l'instant, c'est que du tout bon. Hein. Maintenant, nous allons tester Fantasy Zone 2, un shoot'em up que j'avais pendant mon enfance, que j'adore. Voilà, tirer une bonne adaptation de la version arcade. Complètement loufoque. Ah, le jeu n'est pas passé alors. On va essayer de l'insérer mieux. Hop. Voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est réellement de la fantasy. Hein. C'est, les vaisseaux sont organiques dans ce jeu. C'est un mélange de... Je sais pas, d'extraterrestres, de mécanique, d'organique. Enfin, c'est trop chelou. On dirait être dans un rêve quand on joue à ce jeu. Regardez, rien que l'écran de titre est incroyable. Donc voilà le son d'origine. Moi, je trouve vraiment cool le son d'origine. C'est peut-être parce que j'y suis vraiment habitué depuis que je suis jeune aussi. Mais ça fait vraiment, vraiment arcade. Donc on va voir maintenant ce que ça donne avec le son FM, la différence. Ah ouais mais non.
Alors je regrette, mais pour le coup, alors c'est peut-être parce que je suis vraiment trop habitué à l'ancienne version. Mais je préfère vraiment le... Ça sonne moins arcade, du coup c'est trop cuivré. Et je préfère la version que j'avais quand j'étais petit, c'est-à-dire la version avec la chipset d'origine, sans la board FM. Ah, c'est intéressant aussi, hein. C'est pas non plus nul. Mais... Ouais, je sais pas. Le son d'origine est vraiment excellent. Ah, voyez le vaisseau, dès qu'il se pose au sol, hop, il y a des petites pattes qui apparaissent. Donc il est vraiment vivant. Les pingouins. Enfin voilà, c'est vraiment un gros délire ce jeu-là. Très coloré. Voilà. Donc ça c'était Fantasy Zone. Ouais, alors pour Fantasy Zone, verdict. Personnellement, mais là encore c'est un avis personnel, et bien sûr les goûts et les couleurs c'est différent pour chaque individu, je préfère le son sans le mode FM activé, et ça tombe bien parce que ce mode là avec le switch à l'arrière nous permet de l'activer ou de le désactiver à volonté. Donc je le mets sur une pile séparée, voilà, donc à la fin on fera le comparatif, voir vraiment quel jeu j'ai préféré avec, quel jeu j'ai préféré sans. On enchaîne tout de suite avec un autre jeu de la série Fantasy Zone, Fantasy Zone The Maze, qui n'est autre qu'un petit puzzle game dans l'univers de Fantasy Zone, voilà, qui reprend les mêmes éléments, les mêmes vaisseaux, les mêmes ennemis, etc., mais dans une grille qui ressemble étrangement à du Pac-Man. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant. Et là, on voit déjà que la musique a été remixée par rapport aux deux. Elle est très sympa aussi. Et là, vous pensez qu'on va... On va commencer à un niveau normal, mais non, voilà. Voilà ce que c'est le niveau... Voilà, c'est... Comme je vous l'ai dit, on ramasse des billes rouges ou jaunes, grosses ou petites, en essayant d'éviter les ennemis. Pour moi, c'est clairement... inspiré de Pac-Man, voilà. C'est un mix entre Pac-Man et Fantasy Zone. Du coup, voilà. Maintenant... Si on rajoute le son FM, voilà ce qu'on obtient. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mais cette board, cette chipset sonore, ne colle pas avec la série des Fantasy Zone. Elle est trop cuivrée, je trouve. Du coup, pour ce jeu également, je dis non. Je dis non, il faut pas activer la board FM. Le prochain jeu est un jeu Alex Kidd, également une figure emblématique de la console. Il y a eu plusieurs mascottes à différentes périodes de la console. Sega n'avait pas encore Sonic et cherchait un petit peu quel allait être le personnage représentatif de la console. Donc il y a eu tout d'abord Wonder Boy, ensuite il y a eu Alex Kidd, en passant par Psycho Fox, voilà. Mais pour moi... La vraie mascotte de la console, c'est Alex Kidd. C'est un jeu qui s'appelle The Lost Stars. Un jeu plateforme horizontale, assez classique, somme toute. Voilà, vous pouvez voir qu'Alex Kidd fait allègrement le grand écart lorsqu'il saute. Il est très souple. Waouh! Et voilà, donc ça c'est la démo du jeu. Hein. Vous voyez que dans la démo du jeu, Alex Kidd se prend absolument tous les obstacles. Il se les mange un par un. Il joue vraiment n'importe comment. Et il meurt comme un caca, hein, on va pas se mentir. Donc voilà! Après, la musique fait également très arcade, assez sympa. Ah, le A est assez strident quand même. Allez, on passe en version FM, on va voir ce que ça change.
Ah mais oui. Ah, la musique en version FM est excellente. En tout cas, elle est beaucoup mieux, je trouve. Mais elle est super jolie, cette musique, avec... On la redécouvre, hein. Donc là, oui, encore une fois, l'expérience de jeu est nettement améliorée avec la board FM. Ah, c'est très mignon. Donc oui, Alex Kidd, je le mets sur la pile des jeux qui ont besoin de cette extension. Voilà, si vous voulez profiter pleinement de l'expérience de jeu, jouez avec l'extension. Vous pouvez jouer également avec l'extension sur la plupart des émulateurs Master System. Shinobi, donc ça aussi c'est un grand classique de la console. Un jeu développé par Sega lui-même. Le premier de la saga, hein, il y a eu la suite sur Mega Drive. On commence et vous allez voir en version normale. Et là, on constate quand même que c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse comme son. Donc vite, on va activer le mode FM et on va voir si c'est mieux. Yes. Même les effets spéciaux sonores ont été améliorés. Et ça, c'est vraiment cool. Regardez le saut, le bruit du saut. C'est vraiment sympa. Donc, oui, c'est vraiment le jeu beaucoup plus agréable. Sans aucun doute. Sans égaler la version PC Engine, Shinobi sur Master System doit être joué avec l'extension. Le titre que je vais vous montrer maintenant est un titre, un shoot'em up d'exception. Le premier d'une série également, donc il y a beaucoup de premiers de série sur la Master System. Ce n'est autre que Power Strike. Mais Power Strike, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais la série est plus connue sous son nom japonais Aleste. Voilà. Donc il y a eu Super Aleste par la suite sur Super Nintendo. Et il y en a eu un paquet, hein. Il y en a sur Mega Drive, sur Mega CD. Voilà, une très très bonne série de shoot. De shmup. Et on va voir ce que ça donne d'avoir sans le son FM. Ça grésille beaucoup trop dans les oreilles pour que ce soit sympa. Si je commence une partie. Allez, on teste avec le son FM. Est-ce que ça sera mieux? Je pense que oui, hein, parce que là c'était quand même assez moyen. Ah bah oui. Là également, hein, on sent que les compositeurs ont composé la musique pour la board FM. Ça s'entend tout de suite, hein. C'est prévu pour. Hein. Là, la musique est exceptionnelle avec la board. Moi, je suis complètement fan. Yes. Donc ça peut paraître peut-être secondaire le son, mais ça ne l'est clairement pas, hein, je vous assure que l'expérience vidéoludique, on appelle ça des jeux vidéo, mais ça devrait s'appeler des jeux vidéo sonores, car c'est clairement une expérience visuelle mais également sonore que l'on vit, et le son joue un rôle réellement important. Et là, je vous assure que l'expérience de jeu
avec la board FM pour Power Strike est nettement supérieure à ce qu'elle était sans cette board là. Donc encore une fois, je dis oui. Je dis oui pour ce jeu, je dis il le faut, il vous le faut. Si vous jouez à Power Strike sur Master System, eh bien procurez-vous une board FM. Allez, le prochain jeu, donc un grand classique des beat'em up, Double Dragon. C'est la version Master System n'est pas la meilleure. Elle a de plus jolis graphismes que sur NES. Cependant, la jouabilité, je la trouve un peu en deçà. Préférez plutôt Renegade, la préquelle de cette série, également sur Master System, à Double Dragon lui-même. Et on commence donc le test avec le son d'origine. Enfin, quand je dis son d'origine, c'est le son dépourvu de l'extension FM, qui n'est pas le son d'origine au Japon. Ouais. C'est pas mal, hein. Ce petit son arcade, là aussi, il est sympa, quand même. Ah là là. Musique légendaire, hein. Une des meilleures OST, peut-être, de la console. Par contre, je suis vraiment trop nul à ce jeu. C'est particulier, hein. Oh là là, mais je suis mort dès le premier ennemi. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand même. Bon allez, on teste tout de suite maintenant avec extension FM. Ça fait moins arcade, hein, quand même. Voilà, un coup de poing dans le ventre de la femme à chaque fois qu'on lance le jeu, c'est... c'est tellement... Ah non, mais je suis désolé, mais non. Je suis désolé, mais également pour ce jeu, comme pour Fantasy Zone, je préfère le son d'origine. Là, je pense d'ailleurs que le son a été prévu pour la chipset sans la board FM. Là, c'est trop cuivré, le son est pas assez ponctué, on va dire. Ah, et puis les espèces de trompettes, ça colle pas. Non, je suis désolé, il vaut mieux le son d'origine pour Double Dragon. On oublie la board FM pour ce jeu-là. Je la mets donc dans la deuxième pile de jeux. Allez, jeu suivant, c'est d'autre que Rastan, un jeu d'action-aventure inspiré du fameux Conan le Barbare. Et on commence sans l'extension. Mes oreilles. Non mais franchement, si vous étiez gamin et que vous avez eu que ce jeu, je pense que vous... Enfin, je pense que beaucoup de gens qui jouent à ce jeu jouaient sans le son. C'est dégueulasse. C'est trop aigu. Ah non, j'aime pas. J'aime vraiment pas ce son-là. Vite, on active la barre FM. Ah, c'est clairement mieux. Bon, ok, c'est pas la meilleure OST que j'ai jamais entendue. Mais là, on peut jouer avec le son, c'est quand même beaucoup plus sympathique que tout à l'heure. Encore une fois, je pense que les développeurs avaient prévu que les utilisateurs jouent avec la board FM. Mais là, c'est cool, là. Aïe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se noie pas.
il se plante sur l'eau et prend des dégâts. C'est très très bizarre. Un jeu bien particulier, Rastan. D'ailleurs, si vous avez, je crois... Non, c'est pas cette version-là, je sais plus. Donc sachez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux inspirés de Conan le Barbare. Et celui-là en fait partie, c'est un, ma foi, un très bon jeu. Du style. Vous entendez les petits effets sonores supplémentaires en plus? Ouais. Donc là, il n'y a aucun doute aussi, hein. Il vous faut la board, sinon c'est juste inaudible. C'est... Ça va vous casser les oreilles. Soit vous jouez sans le son, soit vous jouez avec la board FM pour ce jeu, à mon avis, hein. À moins d'avoir des goûts vraiment particuliers. Si vous adorez les bruits stridents, peut-être, mais à part ça, voilà. Donc, donc ça c'est fait. Vous voyez que la pile grandit quand même, hein. Pour tous ces jeux-là, la board FM est hautement recommandée. On passe au prochain jeu qui n'est autre que Kenseiden, donc un jeu de samouraï, une petite perle cachée de la console, hein. Pas hyper connu, et pourtant pour moi ça fait partie de ces grands hits qui ont marqué la console. Peut-être pas le jeu avec le plus de ventes à l'époque, c'est peut-être pour ça. Et pourtant, la qualité de réalisation est bien là. Et là, vous pouvez entendre le son d'introduction, donc sans la board. La musique est sympa. Oh, voilà le petit samouraï qui court comme il peut avec sa jupette. C'est vraiment... voilà, l'esprit du Bushido est là, il n'y a aucun doute. Et on passe avec le son FM. Ah. Ouais, c'est mieux, hein. Y'a aucun doute, là encore, on dirait avoir sauté une génération de consoles ou être passé en arcade, quoi. L'expérience sonore est nettement améliorée. Donc, l'expérience de jeu générale l'est aussi, quelque part. Et les souvenirs que vous en aurez n'en seront que meilleurs. Donc voilà, je recommande, hein, cette board sonore. Même les effets, voilà, les petits slash de l'épée sont également améliorés avec le son FM. Donc je dis oui. Allez, test suivant. Galaxy Force. Un shoot 'em up à la première personne, enfin non, troisième personne, mais avec une espèce de fausse 3D. Comme vous avez l'exemple le plus connu de ce style de jeu, c'est Starwing sur Super Nintendo. Et là, vous allez voir, c'est de la 8-bit. Et pourtant, j'ai envie de dire... Ça se rapproche pas mal de ce que du rendu que donne un Starwing. Donc, Galaxy Force, je vous conseille d'essayer. Je trouve que c'est un jeu vraiment très beau pour la console. Inspiré de Star Wars, évidemment. Bah, ces couloirs-là, hein, c'est un peu ce que vous retrouvez dans l'Étoile de la Mort du premier Star Wars. Et vous avez exactement les mêmes phases de jeu dans Starwing, d'ailleurs. Voilà ce que donne le son. Sans le module FM, maintenant avec la board activée, voyons ce que ça donne. Thank you.
Alors là, c'est discutable. C'est discutable parce que ça change du tout au tout la musique. Ah si, là. Dans ce niveau-là, je préfère avec le son FM quand même. Bon, écoutez, pour ce jeu-là, c'est difficile à dire. C'est deux expériences différentes qui se valent, à mon avis. À vous de décider quelle version est la meilleure. La version chipset d'origine est sympathique. La version avec le mode FM l'est tout autant, mais très différent, un son plus cuivré. Donc voilà, donc Cloud Master, donc un shoot'em up, un petit shoot'em up sympa où vous incarnez un petit bonhomme qui se déplace sur un nuage comme Sangoku et balance des balles, voilà, des espèces de balles. Donc inspiré des légendes de la pérégrination vers l'ouest également, très certainement. Et là, vous pouvez entendre ce que donne le son. Donc là, c'est un son traditionnel chinois. Hein. C'est vraiment une caricature. Avec, c'est quoi, des bols de nouilles qui volent. C'est un peu bizarre. Après, c'est un petit shoot'em up sympathique. Donc il y a des tortues et des bols de nouilles qui vous envoient des missiles. voilà. Sinon, la jouabilité est bonne. Donc, on passe avec le son FM, on va voir la différence. Yes. Voilà, encore une fois, sans aucun débat possible, le jeu profite totalement du son FM. Il ressemble beaucoup plus à un jeu d'arcade que l'était le jeu sans. Donc voilà, je dis oui, il faut jouer à ce jeu avec le son FM. Après, c'est un parti pris, hein. Encore une fois, vous êtes libre d'aimer ce que vous voulez. Mais pour ma part, si je dois jouer à ce jeu, je jouerai uniquement avec le son FM activé. Et c'est fini pour les jeux en boîte, il me reste quelques petits jeux en loose. Donc le prochain jeu que je vais vous montrer, c'est Afterburner. Un jeu d'avion un petit peu à la Top Gun. Voilà, qui est pas excellent. Qui était un jeu vitrine hein, pour la console, me semble-t-il. Où ils essayaient d'exploiter au maximum les graphismes. Après, la DA, je la trouve assez... assez moyen. Je trouve que c'est un jeu assez moyen d'une manière générale. L'introduction est assez sympathique. Ouais. Ah, et puis le jeu lag du cul, j'avais oublié ça. C'est vraiment un gros problème. Hein. Ça répond pas instantanément. C'est pour ça que le jeu est si moyen, en fait. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour tester le jeu, on est là pour tester le son du jeu. Donc on passe avec le son FM tout de suite. Hey, intéressant hein, avec cette version, je préfère. Ça a un côté tout de suite un peu Jazz Bond ou Mission Impossible. Yes. Bon bah là... Bon. Les effets sonores sont toujours aussi aussi criards.
Mais l'expérience sonore de la musique, enfin la musique est nettement plus agréable quand même avec le son FM, donc je le mets également sur cette pile là. Prochain jeu, je vais vous parler d'un Zelda-like sur Master System, encore une gemme cachée de la console, car c'est réellement un excellent jeu, pas si connu que ça, Golvelius de Valley of Doom. Voyons voir ce que ça donne du coup. Avec la chipset de base sans le module FM. Une musique avec des arpèges. Ah, je valide. Une bonne musique, déjà sans le son FM, bien arcade. Vraiment cool. Allez, je lance le jeu. Voilà. Donc c'est franchement la musique est tout à fait agréable déjà sans la board. On va voir ce que ça donne maintenant avec la board. Ah, c'est encore mieux, hein. Yes, ouais, c'est mieux. L'original était cool. Moi, je trouve que ce son-là est encore meilleur. Ah oui. Et là, quand on parle au PNJ, là, sur cette musique-là, c'est clair et net. Voilà, donc... oui, d'une manière générale, je dirais que Golvelius aussi offre une meilleure expérience de jeu avec le son FM. Donc le prochain jeu que je vais vous présenter n'est autre que Zillion 2, Triformation. Un jeu d'action qui alterne les phases de tir à la Terminator et les phases où vous dirigez des engins roulants ou volants. Voilà. Et on commence tout de suite avec le son normal, entre guillemets. Ah putain. Mais ça fait du tort à la console, hein. Parce que ça, c'est comme Rastan. La musique est tellement inaudible que franchement, ça donne pas envie de jouer, quoi. Bon, une fois dans le niveau, ça va un peu mieux. Mais ce genre de musique n'aurait pas dû être accepté par Sega. C'est franchement, si j'avais été PDG de Zelda à l'époque, j'aurais dit non. Les musiques de chiasse comme ça, vous dites aux devs de les refaire sinon on sort pas leur jeu, hein. Ah mais regardez ça. Ok, on teste maintenant avec le son FM. Est-ce que ça va être un petit peu mieux? Ouais. Bon. C'est légèrement meilleur, mais il faut bien l'avouer, hein, la mélodie n'est pas très mélodieuse, donc... Ah, là par contre, cette musique là, en jeu, vraiment cool pour le coup. Donc voilà, faut vite passer le but du titre, hein, dans ce jeu, faut pas y rester quoi. Bon voilà, donc je dis oui, Zillion 2, c'est du tout bon avec la board FM. Allez, l'avant-dernier jeu, je vais vous présenter Miracle Warriors, un RPG dans un monde ouvert, assez sympathique. Avec une bonne durée de vie pour l'époque. Et normalement les musiques sont assez sympas aussi. Alors on va voir si elles profitent du module FM. Ouais, j'aime bien. Bon.
Là, ça pique un peu. Ouais, c'est... ça fait très 8 bits après, hein. On va pas se mentir. C'est pas... moi, je trouve pas ça génial. Le son. Est-ce que avec le board FM, c'est mieux ou c'est moins bien? Waouh! Là, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant et c'est mais c'est là il y a un pas énorme de qualité sonore entre la version d'origine et la version avec la board FM. Ah, et puis là on a les trompettes quoi, on a la musique épique qu'on aurait dû avoir normalement. Oui. Donc là, sans aucune hésitation possible également, Miracle Warriors se doit d'être joué avec l'extension Sound Unit FM. Voilà. Et on passe donc au dernier jeu. Donc le dernier jeu est Space Harrier 3D. Alors sachez que la version non 3D de Space Harrier ne bénéficie pas du son FM, alors que la version 3D bénéficie. Malheureusement, j'ai pas les lunettes 3D. Donc pour moi, ça va clignoter grave dans ma gueule. Vous n'avez rien à voir parce que normalement, vous êtes. Enfin, c'est streamé en 30 images par seconde. Ah, il se pique les yeux. Après la musique, ça va. Alors c'est marrant, c'est pas la musique qu'on a l'habitude d'entendre dans Space Harrier. C'est pas celle de mon générique. Ah la voilà. Une de mes musiques préférées des jeux rétro de tous les temps. Par contre, ça clignote grave, hein. J'ai pas les lunettes 3D. Ah ouais, on va voir si je passe en 50 Hz, peut-être que vous verrez un peu ce que je vois. Voilà, là vous voyez clignoter également. Un peu comme moi. Et c'est mou du cul le 50 Hz, hein. J'ai vraiment plus l'habitude de jouer comme ça. Oui, parce que j'ai aussi le mode 60-50 Hz sur la console. Et du coup, allez, on va voir ce que ça donne maintenant. Bon, je repasse en 60 Hz. Et j'active... Ah mais il était activé ? Ah, il était activé ! J'avais oublié de désactiver le son FM. Ah oui, d'accord, oui, il y avait bien le son FM. Donc bon, bah écoutez, on va faire le test à l'envers. Maintenant, on va voir ce que ça donne sans le son FM. Ah, la console galère à restituer la musique avec sa pauvre chipset sonore d'origine. Ah non. Non non non, sans la board, on reconnaît même pas la musique. C'est trop triste. Là ça va. Cette partie là du son ça va, mais avant c'était juste n'importe la wack. Allez, je remets encore un petit coup le son FM pour que vous entendiez bien la différence. Ah bah oui. C'est mieux. Bon, même si le canon fait un peu un bruit de... Je sais pas. Un bruit de chasse d'eau. Bon, je vais arrêter de jouer parce que je vais me cramer les yeux là. Des fois, ouais, il y a des sons un peu chelous, mais c'est quand même bien meilleur. Verdict. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux sur les 19 que j'ai testés qui profitent pleinement de cette extension.
Il y en a un qui est aussi bon avec que sans. Et seulement 3 que je préfère sans la board. Voilà. Donc globalement, une très bonne extension. Voilà, sans aucun doute, qui va améliorer votre expérience de jeu. Cependant, les jeux compatibles ne représentent qu'un petit tiers de la collection sur Master System. Et seul, on va dire, un bon gros 3/4 profite vraiment de cette extension. On peut essayer de tester un dernier jeu. Alors c'est un jeu... un grand classique de la console, considéré par pas mal de gens comme le meilleur jeu de la console. Wonder Boy 3 de Dragonstrap. Mais celui-là ne peut procurer du son FM que si l'on switch la console en version japonaise. Et même en version japonaise, j'ai l'impression que le jeu ne produit pas tout le temps le son FM. Alors on va quand même tester, voir si ça passe ou pas. Donc tout d'abord, la version normale sans le son FM activé. Voilà Wonder Boy 3. Voilà, donc si j'essaye de switcher le jeu en japonais, est-ce qu'on va avoir le son correctement avec le module FM ou pas? Et là, vous voyez que le jeu a bien été switch en japonais parce qu'il n'y a plus marqué Wonder Boy 3, mais Monster World 2, qui est le nom japonais du jeu. Et pourtant, j'ai l'impression que le son est le même. Donc voilà, je sais pas trop. Hein. Je note pas de différence notable. Non. Là, c'est la même musique, 100% sûr, quoi. Je réessaye un coup. Non, je sais pas. C'est un grand mystère pour moi, ce jeu. Pourtant, ça a marché de temps en temps avec cette console. Je n'ai rien changé depuis, donc... Voilà. Wonder Boy 3, c'est le mystère pour moi avec l'extension FM. Si vous avez quelques explications à me donner en commentaire, n'hésitez pas. Du coup, voilà, on va se laisser avec cette musique quand même sympathique du jeu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes, ou alors à le dire tout simplement en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe, jouez bien, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et attendez-vous à voir apparaître de nouvelles surprises très prochainement sur la chaîne. En effet, j'essaye d'accroître petit à petit le niveau de qualité des vidéos. Vous me direz si ça vous plaît ou non. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine. Ciao !